Bonjour à tous. Je vous invite, on va prendre place, on va commencer à louer le Seigneur ensemble. Si vous êtes déjà installé, on peut se mettre debout ensemble, si vous voulez bien. On va louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Là où tu es, commence à parler à Dieu. Apporte ton culte au Seigneur. Là où tu es, commence à dire à Dieu combien il est grand, combien il est redoutable, combien il est fidèle. Commence à parler à Dieu maintenant. Apporte-lui ta louange, apporte-lui ton adoration. Apporte à Dieu ta reconnaissance ce matin. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta grandeur, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons de tout notre cœur. Ensemble. Demande la bénédiction sur sa vie. Regarde ton frère et ta soeur, tu proclames que Dieu le bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Yeah.
soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de notre Seigneur, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Et ce matin, je crois que l'Église rassemblée ne peut pas ne pas s'unir à ce qui se passe dans le monde. Que la CVN ce matin s'unisse à ce qui se passe dans tous les coins du monde. Que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afrique, au Maroc. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne un temps maintenant pour s'unir avec nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Amen. Qu'on proclame la bénédiction de Dieu sur eux, mais particulièrement qu'on prie pour la consolation de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il y a eu un séisme, un tremblement de terre au Maroc. Il y a plus de 1300 personnes qui sont décédées. Ça, c'est le bilan actuel. Mais peut-être que dans les jours qui viennent, on apprendra d'autres choses. Ça, c'est sans compter les blessés, sans compter les personnes qui sont meurtries dans leur cœur, dans leur âme. Que l'Église, maintenant, se lève. Qu'on se sente concerné. Amen. On doit se sentir concerné par ce qui se passe dans ces pays. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas à côté de nous que voilà, ça ne nous concerne pas. L'Église de Jésus-Christ doit se sentir concernée. Amen. Que le Dieu de toute consolation, maintenant, console nos amis, nos frères, même des gens qu'on ne connaît pas, que le Seigneur les console. Appelons la consolation de Dieu sur ces familles. Là où tu es, élève juste ta voix. J'ai envie de te dire, sens-toi comme si c'était un membre de ta famille. On t'annonçait ce matin qu'un membre de ta famille est dans une situation comme celle-là. Sentons-nous concernés. Demandons à Dieu la compassion. Demandons à Dieu la compassion. Et là où tu es, élève ta voix. Prie. Intercède en faveur de cette population qui est dans le deuil. De ce peuple qui est dans le deuil. Amen. Amen. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix maintenant? Là où tu élèves ta voix, ensemble, on élève nos voix. Prie comme si c'était un membre de ta famille. C'est pas simple, c'est pas facile. Mais prie comme si c'était un membre de ta famille qui était dans une situation comme celle-là. Crie à Dieu. Appelle la grâce de Dieu. Appelle la consolation de Dieu. Appelle la paix de Dieu dans les cœurs ce matin. Seigneur, nous prions, ô Dieu, pour le Maroc. Nous prions, Seigneur, pour l'Ukraine. Nous prions pour le Soudan. Nous prions pour le Mali. Nous prions pour tous ces pays qui sont aujourd'hui en situation de détresse. Père, interviens. Père, interviens, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Interviens, ô Dieu. Toi, le Père, le Dieu de la consolation. Toi, le Dieu de la consolation, console les cœurs, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, remplisse les vies. Que ta paix inonde les cœurs. Que ta paix inonde les cœurs, éternel Dieu. Tu as dit que si une partie du corps est souffrante, c'est tout le corps qui est malade. Nous te prions ce matin. Te prions pour nos frères et nos sœurs dans ces pays, Seigneur. En détresse, en souffrance, en difficulté. Interviens, Seigneur. Interviens, Jésus. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Ô éternel Dieu. Bénis les vies. Bénis les cœurs, Seigneur. Nous te prions, éternel. Que ta consolation remplisse les vies, éternel Dieu. Ô éternel, viens, ô Père. Toi qui es le Père de la veuve et de l'orphelin. Seigneur, certainement qu'il y a beaucoup de veuves. Beaucoup de veuves. Beaucoup d'orphelins, Seigneur. Te prions, Seigneur, de prendre soin. Te prions d'être un père, une mère. Sois un père, une mère pour eux, Seigneur. Un mari, un époux. Te prions, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Nous appelons maintenant à toi, nous crions à toi pour ces peuples. Nous appelons ta faveur sur leur vie. Nous appelons ta faveur, Seigneur, sur leur vie maintenant, au nom de Jésus. Plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Ta faveur, que sa faveur reste sur toi pour plus de mille générations.
Esprit de Dieu, avoir ta faveur maintenant. Nous réclamons ta faveur au nom de Jésus. Que ta faveur
L'entrée scellée d'une odeur.
Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus.
Mon cœur puisse arrêter.
Dans tes projets, tu as de multiples projets, tu projettes de faire beaucoup de choses et quand tu les fais, ça ne fonctionne pas, en tout cas ça ne fonctionne pas comme tu le voudrais, mais c'est parce que tu ne m'inclus pas dans tes projets, tu prends tes propres décisions, tu me loues le dimanche, mais dans la semaine quand tu as des choix à faire ou quand tu es face à des décisions, tu les fais sans me consulter. Et le Seigneur te dit ce matin, consulte-moi avant de prendre ces décisions, consulte-moi avant de faire ces choix et tu verras comment les choses vont évoluer différemment. Consulte-moi avant et surtout entends mon conseil et mets-le en application. Applique le conseil que je te donne, te dit le Seigneur ce matin. Il y a de la réjouissance ce matin. Il y a de la réjouissance parce qu'il y a une nouvelle saison qui se lève pour toi. Tu as bien travaillé, tu as labouré ton champ, tu as semé du blé que tu avais choisi, tu l'as récolté et tu t'en es réjoui pendant la période estivale. Et c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, je te demande de te remettre en marche. De nouveau, tu vas relabourer ton champ. Mais aujourd'hui, je vais te demander de semer du maïs et non pas du blé, du coton, du lin, des fruits, parce que la récolte va être fructueuse et variée. Je t'appelle à oser, ose planter autre chose de ce que tu avais l'habitude. Vraiment, il y a une vraie réjouissance dans cette période de nouvelle saison, une nouvelle saison qui se lève, un renouveau. Je t'appelle à travailler avec les éléments que tu connais et en y ajoutant des éléments nouveaux pour que tu puisses grandir. Alléluia. Lutin fossé qui nous sépare, une si grande montagne infranchissable. Là dans ma détresse, les yeux vers le ciel, j'ai crié ton nom dans la nuit. Et dans les ténèbres, ton si grand amour déchira les ombres de accompli, la fin est écrite, Jésus-Christ, mon espérance. Qui pourrait se désir autant de bonté, qui pourrait sonder cette grâce sans fin, le Dieu Jésus-Christ, mon espérance.
Est-ce qu'on peut continuer à chanter Alléluia, Jésus notre libérateur? Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. De la mort je suis vainqueur. Tu as brisé toutes mes chaînes. Le salut. Partager ce que j'ai reçu avec vous. Ce matin déjà, me réveillant, j'avais médité Actes chapitre 3, où il y avait Jean et Pierre qui ont dit à ce perclus, lève-toi et marche. Ils lui ont tendu la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur, quand je méditais le passage, disait, le nom de Jésus requiert une puissance tellement que le peuple ne se rend pas compte. Nous ne nous rendons pas compte. Et j'étais en train de méditer sur ça et je suis arrivée à l'église et les chants parlaient. Je ne sais pas si vous avez fait attention, merci au groupe de louanges vraiment pour votre consécration. Et ça parlait du nom de Jésus, ça revenait sans cesse. Et je croyais que c'était pour moi. À un moment donné, j'ai été convaincue de le partager parce que les gens ont oublié qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Donc c'est ça que je voulais partager. Et quand j'ai demandé confirmation, le chant qui vient de passer me l'a confirmé avant que je ne vous en parle. Reprenons le nom de Jésus, il est puissant. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la parole de Dieu nous dit que c'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Amen. Et ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu. Est-ce que tu es venu malade? Est-ce que tu es venu fatigué, découragé, peut-être même à la limite de l'abandon? Ce matin, est-ce que tu peux déclarer le nom de Jésus? Alors ne déclare pas le nom de Jésus comme une formule magique. Amen. On n'est pas, ça ne suffit pas de simplement déclarer le nom de Jésus comme une formule magique. Il faut que derrière le nom de Jésus, qu'on voit la croix de Jésus. Et qu'on se souvienne qu'il a déclaré qu'à la croix tout est accompli. Qu'on se souvienne que sur sa vie, il a porté nos meurtrissures. Il a porté nos maladies. Il a porté les situations les plus difficiles. Il les a vécues. Et que ce matin, alors que on va déclarer le nom de Jésus, que tu crois qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, aucune situation ne peut rester pareille. Alléluia! Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Je veux vraiment nous encourager. Vous savez, parfois la posture veut dire quelque chose. Vous savez, notre posture veut dire quelque chose. Et ça veut aussi, la posture est prophétique. Notre posture est prophétique. Quelqu'un qui veut marcher ne s'allonge pas. Quelqu'un qui veut dormir ne reste pas debout. Amen. Notre posture veut dire quelque chose. Et que ce matin, dans notre posture, qu'on dise quelque chose au royaume spirituel. Qu'on déclare quelque chose dans le royaume spirituel. Vous savez, alors c'est vraiment là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. La température dans la salle n'est pas favorable. Je suis d'accord avec vous et mea culpa. Mais ce matin, j'aimerais que, au-delà de la température dans la salle, que nous faisons abstraction. On dit, peu importe la température, peu importe. Mais moi, ce matin, je veux remporter la victoire sur les situations de ma vie. Je veux remporter la victoire sur la maladie, sur la fatigue, sur le découragement. Je veux voir les choses comme Dieu les dit. Je veux les voir comme Dieu les dit. Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a déclaré dans sa parole? Moi, je veux visionner les choses de cette manière. Je ne regarde pas les choses comme je les ressens. Je ne veux pas regarder les choses comme je les vis, mais je veux les regarder comme Jésus les a déclarées. Qu'est-ce qu'il déclare dans sa parole? Et ce matin, je veux déclarer les choses. Alléluia!
je veux les vivre. Alors que ce matin, si tu veux te déplacer dans les rangs pour déclarer le nom de Jésus, sens-toi libre. Alléluia. Si tu veux te déplacer pour dire ce matin que Jésus, tu es mon héros, sens-toi libre. La salle n'est pas très grande, mais ça viendra. Amen. Ça viendra. Mais commençons déjà à vivre dans une petite salle comme si on vivait dans une grande. C'est aussi ça, visionner les choses. Alléluia. Le groupe de louanges va nous conduire dans ce chant qui dit le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Alors comme je l'ai dit, ne chante pas seulement des paroles, mais crois-le dans ton cœur. Déclare-le. Vis les choses de cette manière. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On va se laisser conduire, mais non seulement on se laisse conduire par le groupe de louanges, mais surtout, nous-mêmes, on rentre dans une proclamation. On rentre dans une déclaration. Crois-le à toi, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut avoir juste la note, la tonalité? On va commencer. Que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. On répète ensemble. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms, roi des rois,
Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Louons le Seigneur. Là où tu élèves ta voix, loue le Seigneur par ton intelligence. Loue le Seigneur en langue. Louons le Seigneur. Qu'un bouquet monte vers le Seigneur maintenant. Ne soyons pas spectateurs de ce qui se passe, mais soyons acteurs. Apportons notre louange. Ne reste pas là à regarder les choses se passer, mais vis les choses. Amen. Vis les choses. Alléluia. Merci Jésus. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la louange, Seigneur. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oui, tu déchires le voile, tu déchires. Jésus, tu traces un chemin. Oui, mon Dieu, tu
à continuer à louer le Seigneur. Parce que je sens qu'il y a des percées à faire ce matin. Il y a des percées à faire, mais je sens en même temps qu'il y a comme de la retenue, il y a comme de la crainte, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Dieu sait ce qui empêche qu'il y ait cette percée qui se fasse dans nos vies. Et ma soeur me confirme parce que... Vas-y, partage ce que tu as dans ton cœur. Dieu me montrait qu'il y avait des cœurs enfermés dans une grotte, emprisonnés. Le nom de Jésus est la lumière. Et son nom fait trembler cette grotte. Et elle s'en va, en fait. Et sa lumière, vous pouvez la voir. Alléluia. On a chanté tout à l'heure, quand Jésus est là, ça tremble. Et quelle que soit la grotte dans laquelle on peut se trouver maintenant, la présence du Seigneur suffit pour faire exploser la coquille et qu'on sorte de là. Alors, la grotte a un nom que vous connaissez. Je ne connais pas le nom de la grotte. C'est peut-être la peur. C'est peut-être le non-pardon. C'est peut-être la colère. Je ne sais pas le nom de la grotte dans laquelle vous pouvez vous retrouver maintenant. Peut-être la grotte de la maladie, des situations compliquées. Mais Jésus vient pour que... Viens, le voile s'est déchiré de haut en bas. De haut en bas. Les exégètes disent que le voile avait à peu près 12 cm d'épaisseur. Imaginez-vous. 18 mètres de hauteur, 12 cm de profondeur, d'épaisseur. Vous voyez un peu la grosseur du tissu. Hein? 12 cm. Et ça s'est déchiré. Ça s'est déchiré. Quelle est la grotte dans laquelle on se trouve ce matin? On ne peut pas venir dans la présence de Dieu, on repart comme on est venu. On ne peut pas se laisser plomber comme ça par la situation qu'on vit. Soit on dit, je suis un enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de ce que je vis. Je le déclare ce matin. Je ne suis plus esclave de la torpeur, de la timidité. Je le déclare ce matin. On ne peut pas accepter les choses et rester dans une forme de fatalisme, c'est comme ça. Non, on ne peut pas. On ne doit pas ce matin. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Déclarons-le ce matin. Amen. Avec énergie, avec puissance, avec autorité. Déclarons que le voile est déchiré. Tu as tout accompli.
Je voulais vous partager cette pensée. On sait tous que nos enfants nous imitent et qu'ils nous regardent. Mais nous, nous sommes aussi les enfants de Dieu, de Jésus. Il nous a adoptés, nous faisons partie de sa famille. Et comme lui, nous pouvons dominer les éléments naturels, mais aussi dominer les situations dans nos vies. Donc, quand on le loue, les paroles qu'on prononce, elles ont un impact sur le monde spirituel. Et donc, si on est défaitiste, eh bien, l'ennemi se servira de ça pour continuer à nous laisser dans la défaite. Mais si, au contraire, on affirme qu'on est victorieux, que Jésus a gagné la situation, qu'on domine les éléments naturels et qu'on a acquis la victoire, alors on a acquis la victoire. Et je veux vous encourager à maîtriser les paroles que vous donnez, que vous dites, parce que l'ennemi n'entend pas vos pensées. Et prier dans sa tête, c'est pas suffisant. Il faut crier, hurler que voilà, Dieu est ma victoire, Dieu est ma solution et Dieu est mon réconfort. Alléluia. Amen. Dans la vallée des ossements desséchés d'Ézéchiel 37, Jésus va dire à Ézéchiel, prophétise, parle maintenant, parle. Est-ce que tu es devant une vallée d'ossements desséchés dans ta famille et tu regardes la famille, tu dis, waouh, quel désarroi. Tu regardes ton travail, tu dis, waouh, quel désarroi. Tu regardes ta vie affective, tu dis, quel désarroi. Tu regardes autour de toi et tu es découragé. Et Dieu dit à Ézéchiel, regarde ces ossements. Il pose une question à Ézéchiel. Est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Et ce matin, Dieu te pose la question, est-ce que tu crois que ta situation peut revivre? Est-ce que tu crois que la situation familiale peut changer? Dieu te pose la question, Dieu me pose la question. Est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu crois encore que c'est possible? Et on l'a entendu, on doit prophétiser maintenant, on doit proclamer, on doit dire les choses qui ne sont pas encore. On doit prophétiser. Et Ézéchiel a regardé les ossements desséchés et Dieu lui a dit, commence maintenant à appeler la vie dans ces ossements. Commence à appeler la vie maintenant. Appelle la vie dans les ossements desséchés de ta vie. Appelle la vie maintenant. Alléluia. Commence à nommer les ossements desséchés. Commence à nommer. Nomme-les. N'aie pas peur de les nommer. Ouvre ta bouche maintenant. N'aie pas peur de les nommer. Parle. Parle. Parle à la situation. Parle aux ossements desséchés. Et c'est après que Dieu lui-même a soufflé un souffle de vie. Mais il a fallu que la chair vienne, que les nerfs viennent, que les tendons, toutes ces choses viennent. Et après, Dieu a fait ce qui lui revient à lui seul. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Et nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons te dire merci Seigneur, parce que nous croyons que cette vallée remplie d'ossements desséchés, c'est une grande armée pour toi. C'est une grande armée qui se lève pour toi. C'est une grande armée pour le royaume de Dieu, du roi des rois. Seigneur, nous voulons regarder les choses comme toi tu les vois, comme tu les déclares. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Jésus. Alléluia. Nos regards tournés vers Jésus. Nos regards tournés vers le ciel. Nos regards tournés, nos mains tendues vers le ciel. Alléluia. Lui seul et lui seul. Pas un homme, pas un système, mais Dieu et Dieu seul. Alléluia.
Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers toi. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter. Notre Dieu. Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut offrir une action de grâce, une ovation à notre Seigneur, le sacrifice de notre reconnaissance. Alléluia. À toi, Seigneur, j'offrirai le sacrifice qui vient de mon cœur. Amen. 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 Est-ce que Dieu est bon pour toi ce matin? Est-ce que Dieu est véritablement bon? Alléluia. Ton Dieu est bon pour toi. Amen. On va laisser la place maintenant aux annonces. Alléluia. Bonjour. C'est l'heure des annonces. Alors, ça commence avec mardi 12 septembre à 19h30. Ici, nous aurons notre réunion de louange et intercession. Vendredi 15 septembre, c'est la rentrée pour influence. Oui. 18h30-21h, donc soyez tous présents les jeunes pour cette reprise. Samedi 16 septembre à 15h, il y aura le mariage d'Héloïse et Maël. Ça approche. Toute l'assemblée est conviée à la cérémonie et aux vins d'honneur qui se passeront ici, donc à 15h. Le dress code, on vient habiller haut en couleur, mais surtout pas de blanc. Merci. Dimanche 17 septembre, donc le lendemain, 9h30, il y aura notre culte de rentrée. Donc, à ne pas manquer. Royal Rangers, la rentrée approche aussi bientôt. Donc, pour les 12-17 ans, ça débute avec un week-end, donc les 23 et 24 septembre. Pour les 4-11 ans, ça sera le 30 septembre. Pour les inscriptions ou pour les renseignements, vous pouvez vous rapprocher de Yann ou Charline. Parcours Start. Le parcours Start reprend bientôt. Donc ce parcours, c'est pour les cours de base complets. C'est pour présenter aussi la CVN. Et c'est aussi une préparation au baptême. Donc ça débutera le 1er octobre. Il y aura 6 sessions. Ça se passera entre 16h et 17h30. Pour les inscriptions, vous pouvez aller au stand connexion. Petite information supplémentaire, il y aura aussi un parcours Alpha en début d'année prochaine.
C'est très important pour ceux qui souhaitent participer à Alpha de se présenter dans un premier temps à la première réunion, donc le 1er octobre, au parcours Start, parce que selon les profils de chacun, peut-être que vous serez basculé vers le parcours Alpha de l'année prochaine. Donc c'est au stand connexion que ça se passe. Jeûne et prière, bientôt plus des détails, mais notez que nous aurons un temps de jeûne et prière au mois d'octobre, du 9 au 14. Stand connexion, si vous avez des questions ou des informations à demander ou des inscriptions diverses, vous pouvez y aller. Aujourd'hui, c'est Maïna et Stéphanie qui sont là pour vous y accueillir. Jonathan, aujourd'hui, est en déplacement à l'Assemblée de Fourchambault. Donc, il y était pour tout le week-end, pour la rentrée des jeunes et pour le culte aujourd'hui. Et il y est aussi avec Paul et Léa. Donc, on pense bien à eux. Collecte AGM, donc elle est à disposition de tous ici, là-bas. Donc, si vous souhaitez y participer, vous pouvez déposer vos dons dans la boîte aux lettres. Et dîmes et offrandes, comme d'habitude, on vous remercie pour votre fidélité dans vos dons. Vous pouvez les adresser par chèque ou espèce dans la boîte grise au fond ou par virement en indiquant votre nom et le motif du virement. Bon culte à tous. Merci Sandra. Nous nous réjouissons déjà de ce culte de rentrée. Ça sera un moment où on va présenter toutes les activités, on va présenter les nouveaux responsables, le nouveau fonctionnement de l'année. Donc soyons là à l'heure, à 9h30, pour que nous puissions commencer ensemble. Je peux déjà vous annoncer que le thème de cette année, ça a déjà été évoqué un petit peu là ce matin, nous croyons que la moisson est prête. Amen. La moisson est prête, il y a peu d'ouvriers. Donc, on a les thèmes des années précédentes, c'était que le Seigneur élargisse les tentes de nos cœurs, c'était que le Seigneur nous permette de gagner les territoires. Mais aujourd'hui, je crois et nous croyons que le temps est là pour que les hommes et les femmes se lèvent pour aller moissonner. Amen. Amen. Je croyais que ça allait susciter un peu plus d'enthousiasme. Amen. Mais c'est sûr que tout de suite, ce n'est plus on attend plus que Dieu fasse. C'est nous qui devons faire. C'est normal que ça ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est le thème de cette année. On va se lever, l'Église doit se lever pour aller. C'est aussi ça l'Église apostolique. Amen. Amen. Donc vous allez être sollicités d'une manière ou d'une autre avec ce que Dieu vous a donné. Parce que nous croyons que des hommes et des femmes ici sont bourrés de talents. Dieu a fait des dons à l'Église. Et ces dons ne sont pas là pour nous, les dons sont là pour l'extérieur. Donc la moisson est grande, la moisson est prête, la moisson est mûre. C'est dans ce sens qu'on va aller cette année. Donc là où vous êtes, commencez déjà à dire au Seigneur, « Seigneur, sur quel champ, dans quel champ tu m'envoies ? Dans quel champ tu veux m'envoyer pour que je puisse aller moissonner ce que tu as déjà préparé ?» Amen. Amen. Donc même le jeûne et prière, on va prier, on va prendre le temps pour que le Seigneur nous conduise dans ses projets. Nous ne voulons pas perdre du temps. Et surtout, nous ne voulons pas aller moissonner sur le terrain du voisin. Amen. On veut aller moissonner là où Dieu nous envoie moissonner, là où il a préparé quelque chose pour nous. Raison pour laquelle on a besoin de la direction. Et Dieu a dit, si vous voulez que vos projets réussissent, consultez-moi en avance. Ça sera un temps de consultation. Seigneur, vers où tu veux que j'aille? En tant que chrétien, mais en tant qu'église aussi. Vers où tu veux que l'église aille? Amen. Voilà. Sans plus tarder, on va inviter Jonathan qui va nous apporter la pensée de Dieu ce matin. Et on va prier ensemble, Jonathan. Parce que je crois que le Seigneur a déposé vraiment un fardeau dans son cœur pour l'Église. Et on va prier que le Seigneur lui donne l'autorité suffisante pour transmettre sa pensée. Seigneur, merci pour ta parole qui va être prêchée maintenant. Notre désir, notre prière, c'est qu'elle trouve des cœurs bien disposés. Je te prie pour mon cœur, mais je prie pour le cœur de mon frère et ma sœur. Je prie maintenant, Seigneur, que tu fasses silence dans les cœurs. Que toute pensée, toute parole qui n'est pas de toi, toute opposition maintenant, laisse la place à l'autorité de la parole de Dieu. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu oins d'une manière particulière, Jonathan, pour qu'il puisse communiquer la pensée que tu as déposée dans son cœur pour l'Église. Seigneur, que la gloire te revienne maintenant, à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez bien? Ok. Respirez un grand coup parce qu'on a oxygéné nos esprits, mais nos cerveaux là. Alors, inspirez un grand coup. Pourquoi personne ne le fait? Je vous vois, hein, je vous entends.
inspirez un grand coup, soufflez un grand coup, on prend le temps de respirer, parce qu'on ne veut pas que notre cerveau aille nous dissiper et qu'on manque ce que Jésus veut nous dire ce matin. Amen. J'avais cette pensée tout à l'heure, et pour faire suite à ce que Thierry disait, la moisson est prête. Et alors que je rentrais dans l'église, j'entendais comme des trompettes sonner. Et Jésus qui me disait, mais je reviens bientôt. Je reviens bientôt, et je voyais plusieurs dans cette salle, je voyais des visages précis, je pourrais venir vous voir. Et je voyais le mien d'ailleurs. Et on était tous là à entendre ces trompettes, à se dire, mince, Jésus, pas maintenant s'il te plaît, j'avais projeté de faire des trucs pour toi. Je m'étais imaginé faire des trucs pour toi, et je ne les ai pas faits. Pas maintenant. Et Jésus disait, mais c'est maintenant que je reviens. Et je crois que plusieurs ici, on a des rêves, on a des projets pour Dieu. On s'imagine des fois des choses, on s'imagine même parler à des hommes et à des femmes de Jésus, on s'imagine faire toutes sortes de choses et on ne le fait jamais. Sauf qu'à un moment donné, Jésus va revenir. Puis il va dire, j'ai déposé des choses en toi. Est-ce qu'elles ont multiplié ou est-ce que tu les as enterrées en attendant que je revienne ? Et ce matin, le titre de mon message, c'est la croix de Jésus et la croix du chrétien. Vous savez, une église qui délaisse le message de la croix, des chrétiens qui délaissent le message de la croix, qui oublient la croix et qui n'y revient pas, délaisse totalement la puissance qui est liée à l'évangile. Et on commence à rentrer dans un évangile qui est totalement humaniste et centré sur l'homme et égoïste. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas vouloir vivre l'évangile et ne jamais revenir à la croix. La croix, c'est un perpétuel mouvement, un lieu perpétuel où nous devons aller continuellement. Mais je crois qu'avec le temps, nous avons oublié le sens de ce qui s'est passé à la croix et de ce que Jésus a porté. Tout simplement parce qu'on est plus de 2000 ans après et qu'aujourd'hui, par exemple, la crucifixion, ce n'est pas un truc qui se fait encore. Et depuis longtemps. Donc, pour les premiers chrétiens du Nouveau Testament, ils comprenaient toute la passion qui s'est dégagée de la croix, toute la souffrance que Jésus a dû porter et tout l'amour qui était le sien pour eux et pour nous. Mais pour nous, c'est un peu plus étranger. Et ce matin, je voudrais commencer par, non pas pour faire l'apologie de la mort et de la crucifixion, mais pour faire l'apologie de l'amour que Jésus a porté, revenir à la croix et comprendre ce que Jésus a dû porter et a voulu porter pour nous. Parce que des fois, on dit « Jésus a été tué, Jésus a dû porter ». Non, Jésus s'est livré à la mort jusqu'au dernier moment où il remet son esprit entre les mains du Père, comme pour dire « Ce n'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui l'offre en sacrifice pour vous parce que je vous aime. » Alors avant de lire le texte de la crucifixion, juste un petit peu de contexte. Jésus est là avec ses disciples et puis il va célébrer la Pâque et il va annoncer que quelqu'un va le trahir. Et alors qu'il discute de ça avec ses disciples, ils vont commencer à chanter les psaumes de la Pâque. Vous pouvez les retrouver dans les psaumes. Des psaumes qui sont chantés par les Juifs à la Pâque pour célébrer juste et annoncer ce que Jésus allait faire. Et après ça, Jésus va se retirer dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples où il va prier. Et il va demander à Dieu, « Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que ce qui m'attend s'éloigne de moi. » Mais Jésus dira, « Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. » Et Jésus va faire ça deux fois. Puis finalement, au matin, Jésus va être arrêté par un groupe nombreux et armé. Mais pas un petit groupe. Un groupe nombreux et armé, comme si, plusieurs commentateurs disent, comme si on venait chercher un dangereux terroriste et criminel. Et Jésus va même s'étonner, il va leur dire, « Bah ok les gars, mais en fait je suis avec vous tous les jours dans le temple. C'est quoi la nécessité de venir m'arrêter comme ça, comme un terroriste ?» Et on peut s'imaginer qu'il y a un coup monté des chefs religieux juifs qui cherchaient à tuer Jésus et à le mettre à l'écart depuis longtemps pour envoyer le signal à tout le peuple qu'en fait Jésus n'était pas celui qui croyait et immiscer progressivement, peut-être par le bouche à oreille, « Eh, vous avez vu, Jésus, il a été arrêté par un groupe armé. Non, mais en fait, ça se trouve, c'est un gars dangereux, c'est peut-être un terroriste. » Et là, il y a toutes sortes de choses qui commencent à se passer. Les disciples commencent à fuir par peur. Et Jésus est amené à Pilate par les chefs religieux, le gars qui gouverne la cité. Et puis Pilate, il va discuter avec Jésus, puis il va dire aux chefs religieux, écoutez, déjà la crucifixion, ce n'était pas un truc qui se faisait tous les week-ends, il y avait des périodes dans l'année précises où on crucifiait les criminels. Puis Pilate va dire, de un déjà, c'est le week-end de la Pâque, on n'avait pas prévu de crucifixion. Et puis deuxièmement, je ne trouve rien dans ce gars
il n'y a rien pour moi. Alors ça va tellement perturber Pilate qu'il va dire, bon, je l'envoie à Hérode. Hérode, un autre gouverneur de la contrée qu'il reçoit, puis il dit, oh Jésus, je suis trop content, ça fait longtemps que j'entends parler de toi, je voulais que tu fasses quelques miracles pour moi. Puis Jésus va rester silencieux. Et alors Hérode va faire le même constat, il va se dire, bah, je trouve rien. Donc il le renvoie à Pilate. Et puis alors Pilate, il va dire, bon, là il y a une foule qui commence à s'ameuter devant moi, là, devant ma cour, dans ma cour. Ça commence à être dangereux, il commence à dire, il faut le tuer, il faut le crucifier. Alors Pilate, il va dire, bon, on va flageller Jésus très sévèrement. Comme ça au moins ça va calmer tout le monde, puis tout le monde va être contenté. Sauf qu'après ça, ça ne suffit pas. Et la foule va commencer à dire « Crucifie-le, crucifie-le !» Et à ce moment-là, Pilate va dire « Écoutez, moi je m'en lave les mains. Vous voulez le crucifier ?» Il va s'adresser à la foule et au chef religieux, il va dire « Vous voulez le crucifier ? Crucifiez-le, moi. » Pilate va même essayer, il va dire « Hé, on peut faire, c'est le week-end de Pâques, on peut faire un temps de grâce, on libère un prisonnier. » Il propose à la foule. La foule va préférer libérer un dangereux criminel que Jésus. Donc Pilate va dire « Je m'en lave les mains, débrouillez-vous. » Et alors on va lire ce passage dans Luc 23, 32. Si tu peux l'afficher. Avec Jésus, on emmena aussi deux hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant, « Hé, si t'es le roi des Juifs là-haut, sauve-toi toi-même » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des deux criminels, attaché à une croix, insultait Jésus en disant, « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec nous !» Mais l'autre criminel fera des reproches au premier en disant, « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Il était environ midi quand tout le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Réalisons bien 2 secondes ce qui s'est passé là. D'un coup, toute la contrée est plongée dans l'obscurité. Et ça dure jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains !» Après avoir dit ces mots, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Aucun doute, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui s'y était arrivé, tout le peuple venu en foule pour assister à ses exécutions s'en retourna en se frappant la poitrine comme en signe de deuil et de douleur. Tous les amis de Jésus ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Le premier point est que souvent on regarde à Jésus comme celui qui a souffert à la croix. Mais en réalité, Jésus a mené une vie complète de souffrance. Le chemin de Jésus, il commence dans la persécution. Alors que Jésus va naître, Hérode va apprendre que le Messie que les Juifs attendent est né. Et pour eux, pour lui, c'est compliqué d'imaginer ça parce que déjà Hérode, c'est un gars hyper dangereux et violent et complètement fou. Mais en plus de ça, il se dit, attends, ça peut amener une révolte parmi le peuple juif. Donc il va dire quand il apprend ça, faites tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans la contrée. J'imagine qu'à un moment donné, ça a dû arriver aux oreilles de Jésus. Quand bien même sa famille a fui en Égypte, à un moment donné, quand il est revenu, il y a eu toutes sortes de questions qui sont venues. Sam parlait mardi dans son message. Jésus qui jeûne pendant 40 jours et est tenté par le diable dans le désert.
Vous avez déjà vu des documentaires avec le désert dans ces contrées-là? 40 jours de jeûne ici, avec le diable qui vient et qui tente Jésus, qui lui propose d'autres solutions. Jésus savait très bien c'était quoi la finalité de sa vie. Et le diable va venir et lui proposer plein de chemins faciles pour fuir toute la souffrance qui devait être la sienne. Jésus vit sous la pression et persécution constante des chefs religieux de son époque. Eux, leur but, c'était de dire, mais il faut que ce gars se taise, il faut qu'il arrête, parce qu'il venait tout renverser, tout ce que eux tenaient, toute leur façon de manipuler le peuple, de le tenir dans la loi. Jésus vient et renverse tout ça et il amène quelque chose de nouveau. Eux, ce n'était pas possible pour eux, alors ils vont le persécuter, chercher à le faire tomber, à le faire fauter, à lui poser des questions pièges, à essayer d'atteindre à sa vie. Vous savez, à l'époque, il y avait tout le temps des crimes organisés. C'était la folie, hein, à l'époque romaine, à ce moment-là. Il y avait des complots dans tous les sens, tout ça. Comment est-ce qu'on vivrait, nous, si on avait constamment de se dire, purée, il y a des gars, ils veulent me tuer, là, constamment, dans un climat de complot où les gens sont tués régulièrement. Imaginez le contexte, ce que Jésus porte déjà à ce moment-là. D'après plusieurs commentateurs, il est même probable que Jésus ait vécu différentes formes de tristesse durant sa vie, avec la perte de certains amis, mais aussi probablement la perte de son père terrestre. Mais par-dessus tout ça, Jésus savait durant toute sa vie ce qui l'attendait à la fin et quel était le but de sa vie. Imaginez le poids. Jésus naît, Jésus est là sur cette terre, il marche durant toutes ces décennies, en sachant qu'à la fin, il va vivre une des morts les plus atroces qui soit dans ce monde. On va le voir après. Et en acceptant tout le chemin de souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors, le premier point est Jésus a vécu de la douleur et de la souffrance physique. Comprenons deux secondes la crucifixion. Il y a eu des recherches et des analyses par des archéologues en Israël et en Italie en 68. Ils ont retrouvé dans des fouilles des traces de croix avec lesquelles on a crucifié des gens. Ils ont retrouvé différentes choses, des corps encore, des morceaux de squelettes cloués sur les croix. Ils ont fait des recherches et ils ont livré les informations suivantes. Une crucifixion pouvait durer jusqu'à 36 heures en moyenne pour ceux qui ont duré le plus longtemps avant le décès du condamné. Jésus décède en moins de 9 heures d'après les études. Ça montre à quel point la flagellation que Jésus a subie était d'une violence inouïe. Parce que la crucifixion n'était pas envisagée à ce moment-là. On flagellait des fois des crucifiés, des gens qui allaient être crucifiés, mais on le faisait légèrement, on y allait tranquille, parce qu'on voulait qu'ils souffrent le plus longtemps sur la croix. Et vous savez, la flagellation, c'était avec des lanières en cuir. Ils mettaient des os de mouton et du verre pour vraiment éclater le dos du condamné. Jésus a une couronne d'épines sur la tête. Il se moque de lui en faisant une couronne d'épines. Et les épines des arbres qu'ils ont certainement prises étaient des épines très longues et très épaisses. Il fut humilié par des moqueries et il fut mis nu. La majorité des études affirment pour dire que les crucifiés étaient nus sur la croix. Par décence, on a fait des œuvres d'art où ils étaient couverts. Mais il y avait une humiliation complète. Non seulement il y avait un brisement physique, mais il y avait un brisement psychologique. La mort causée était particulièrement lente et affreuse afin d'être exemplaire et de dissuader tout criminel. Le condamné était allongé nu sur le poteau de bois de 35 kilos qu'il avait porté lui-même depuis sa prison ou là où il avait été jugé jusqu'au lieu où il devait être crucifié. Et le plus souvent, il était cloué au bois par les membres les plus solides, dans les poignets entre radius cubitus où il n'y avait aucune veine qui passait pour vraiment maximiser la douleur et le temps entre la crucifixion et la mort. Les jambes étaient pliées sur le côté et comme ça sur la croix et on clouait le condamné par les talons à travers les deux pieds. Suite à des fouilles, ils ont retrouvé des clous et des morceaux de talons complètement tordus, juste pour signifier que les Romains n'apportaient aucun soin aux condamnés qui étaient crucifiés. C'était de la barbarie à 200%. Une fois la croix relevée vers le public en plein soleil, le condamné souffre d'une compression du diaphragme qui l'empêche de respirer parce qu'il est complètement tombé comme ça, causant une asphyxie durant des dizaines d'heures. Et le décès survenait par asphyxie ou déshydratation. Dans le cas présent, les Juifs, comme Jésus meurt au bout de quelques heures, au bout de 6-9 heures, les Juifs ne voulant pas célébrer la Pâque,
Le dimanche, avec la vue de trois condamnés à la croix, vont demander à ce qu'on accélère la mort des deux autres brigands et on va leur briser les jambes pour qu'ils ne puissent plus respirer et qu'ils meurent. Voici ce que Jésus, dans son corps, a accepté injustement pour nous rendre justes. Lui qui était juste. Jésus va porter une autre douleur, qui est la douleur spirituelle, la douleur du péché. Chacun dans notre expérience de chrétien, on connaît ce moment où on a péché, on a fait une faute, on s'en est voulu, on n'est pas bien, on a des remords, on a des angoisses, parfois même un peu de culpabilité. Je suis le seul ? Non ? Ah, ça me rassure, ok. On a tous connu cette sensation, on est mal, on n'est pas bien à l'intérieur. Jésus étant parfaitement saint, donc il n'a pas connu ça, reçoit d'un coup toute la culpabilité des péchés présents, passés et futurs. Il devient ainsi malédiction. Imaginez ce qui se passe spirituellement dans la vie de Jésus. L'angoisse qui vient. Jésus subit une douleur psychologique également, la douleur de l'abandon. Dès le jardin de Gethsémani, les disciples vont arrêter de commencer à soutenir Jésus. Jésus va leur dire, est-ce que vous pouvez veiller et prier avec moi, sachant l'angoisse qui venait pour lui? Les disciples vont s'endormir. Jésus, ça va être tellement intense pour lui que des grumeaux de sang vont couler de son front. À la croix, Jésus vit l'abandon de son Père céleste. Matthieu 27, 46, qui est obligé de détourner le regard, tellement Jésus devient malédiction pour porter nos péchés. Il affronte seul le poids de la culpabilité de millions de péchés, la colère de Dieu s'abattant sur lui à cause de nos péchés qu'il porta. Vous pouvez regarder Hébreux 2, 17, 1 Jean 2, 2, 4, 10, etc. Il devient victime propitiatoire. Terme de l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sacrifice qui subit la colère de Dieu. Jésus vit un abandon complet pour nous. Malgré tout cela, Jésus ne succomba pas au péché et à la malédiction sur lui, mais il l'a porté, supporté, vaincu, marchant sur la mort et ressuscitant pour nous, pour que nous ayons la vie. Colossiens 2, 14. Malgré tout cela et durant ce processus, qui, imaginez deux secondes à porter humainement, qui serait à même de porter cela et de faire ce que Jésus a fait à la croix avec la puissance et la beauté du pardon manifesté par Jésus qui fut de plus en plus grande malgré la souffrance de plus en plus grande. Vous et moi, on souffrirait comme ça, on serait de moins en moins aptes à pardonner, à aimer. Mais Jésus, avec le grand amour qui était le sien, malgré la souffrance grandissante, pardonne de plus en plus et aime de plus en plus. Alors que la foule se moque de lui et que les soldats tirent au sort pour partager ses vêtements, Jésus va dire « pardonne-leur ». Alors que un brigand va s'adresser à Jésus en disant « tu es le Fils de Dieu », Jésus va lui pardonner et l'amener avec lui au ciel. Jésus remet son esprit au Père pour signifier qu'il se livre lui-même à la mort, nous sauvant et nous pardonnant ainsi tous nos péchés. Non seulement Jésus souffrait atrocement, mais pour comprendre le poids de ses paroles, et c'est le dernier point sur la crucifixion, pour comprendre le poids du pardon et de l'amour de Jésus, lorsqu'il libère ses paroles. Regardons à ce qu'un médecin qui a fait une étude de la crucifixion dit. C'est dans le journal de l'Association médicale américaine. Ça a été publié en 86. Pour expirer correctement lorsque quelqu'un était crucifié, il fallait soulever le corps en poussant sur les pieds et en fléchissant les coudes. Cependant, cette manœuvre mettait tout le poids du corps sur les pieds et produisait ainsi une douleur atroce à cause des clous à travers les os. De plus, la flexion des coudes provoquait la rotation des poignets autour des clous et une douleur fulgurante le long des nerfs médians qui étaient endommagés. Des crampes et des fourmillements dans les bras ajoutaient à l'inconfort. À cause de cela, chaque effort respiratoire était douloureusement épuisant et conduisait finalement à l'asphyxie au bout de plusieurs dizaines d'heures parfois. À ceci s'ajoutant, dans le cas de Jésus, un dos complètement en lambeaux, se frottant contre le bois à chaque fois qu'il voulait se redresser pour expirer et parler.
Jésus était motivé par un amour plus grand que tout le reste. Alors que personne ne méritait quoi que ce soit. Chaque parole de pardon de Jésus à la croix furent prononcées au moment le plus douloureux physiquement, psychologiquement et spirituellement, mais motivées par un amour plus grand que ses souffrances. Pour tous les êtres humains, y compris nous, alors que nous méritions la condamnation de Dieu, il a pris sur lui la culpabilité et la condamnation, nous offrant une grâce et un pardon immérités dont un des brigands fut l'exemple parfait. Que j'aime ce brigand. J'aime regarder ce brigand qui a été sauvé parce que ce brigand-là, il est témoin du pardon de Jésus pour ses bourreaux. Il réalise alors en voyant ça que lui peut être pardonné, alors que c'est un criminel le gars. S'il est crucifié, je peux vous dire c'est que c'était un sacré criminel qui mettait sacrément le bazar dans la contrée. Donc dans sa vie, il n'a rien démontré. Il n'y avait rien pour qu'il soit sauvé et pardonné. Il n'y avait aucune œuvre, aucun acte. Simplement celui de réaliser à la croix que Jésus était le Fils de Dieu. Et qu'en fait, en voyant Jésus pardonner à ses bourreaux, se dire « Mais si Jésus peut pardonner à ses bourreaux, alors il peut me pardonner. » Ce brigand, je l'aime. Parce qu'il nous rappelle que le salut n'est pas mérité. Le salut n'est pas un mérite. La grâce que nous vivons est imméritée. Elle n'est juste du fait de l'amour de Jésus pour nous. Elle n'est pas du fait de ce que nous allons accomplir sur cette terre ou faire. Elle est juste du fait que Jésus nous aime. Il a tout accompli pour nous. Il n'attend pas que nous fassions quoi que ce soit, si ce n'est le reconnaître, considérer la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est le sauveur du monde. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons revenir régulièrement à la croix pour nous rappeler de cela. Et on va voir pourquoi après. Malheureusement, le second brigand ne fut pas dans ce cas-là. Le premier brigand ne fut pas dans ce cas-là. Mais le second, vous savez, on va venir juste après au point la croix du chrétien. Je crois que ce brigand-là, oui, il a été crucifié physiquement, mais à un moment donné, il y a ce que nous vivons en tant que chrétiens, sa chair a été crucifiée aussi. Il y a quelque chose en lui, la colère qu'a manifesté l'autre brigand, la moquerie qu'a manifesté l'autre brigand, tout ça, il a vécu comme une crucifixion de ces choses. À un moment donné, il a dit, je meurs avec Jésus, je fais mourir ces choses. Et ses yeux se sont ouverts et il a dit, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et le point suivant, la croix du chrétien. S'il y a eu la croix du chrétien, s'il y a eu la croix de Jésus, il y a la croix du chrétien. Il y a quelque chose que nous sommes amenés à porter avec Christ. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Je ne m'attendais pas au Amen à ce moment-là. C'est une réalité. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. C'est celui de porter sa croix. Matthieu 16, 24, je vous le lis. Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. » Lisons bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Paul dira, nous sommes appelés à mourir avec Christ, à crucifier notre homme intérieur, à crucifier cette vieille nature avec Christ pour que Jésus ait la place par le Saint-Esprit de reproduire sa vie en nous. C'est renoncer à soi-même pour Jésus et pour les autres. J'ai conscience que j'arrive pas dans la partie du message qui fait l'unanimité dans ce monde actuel, mais c'est la réalité de l'évangile. La seule différence avec ce que nous propose le monde, c'est que le monde, avec le péché, met un fardeau lourd et amer. Jésus nous propose un fardeau doux et léger. Jésus ne nous propose pas le fardeau qu'il a porté à la croix. Jésus a tout accompli pour nous. Et maintenant, il nous dit, suis-moi, je vais t'apprendre à reproduire ce que moi j'ai vécu. Ma vie va se reproduire en toi. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Souvent, quand on parle avec les non-chrétiens, cette semaine, Astrid me disait, elle parlait avec quelqu'un qui lui disait, mais si tu es en train de me dire que ça va être plus facile pour moi, la vie avec Jésus, puis que je ne vais plus souffrir, ce n'est pas ce que je t'ai dit.
Par contre, moi, je la traverse avec la paix, la joie, tous les fruits que produisent le Saint-Esprit en moi, la bonté, etc. Toi, tu la traverses avec le poids de la condamnation et l'amertume. La culpabilité que tu ressens, moi, je ne la vis plus. L'enchaînement que tu ressens, moi, je ne le vis plus. La dépression que tu ressens, moi, je ne le vis plus. La tristesse que tu ressens, moi, je ne le vis plus. Parce que je porte ma croix avec Jésus, qui est une croix douce et légère. Jésus nous amène libres du péché qui lui-même nous amenait à la mort. Et nous amène à vivre pour lui et pour les autres. Restez avec moi, il reste trois petits points. Respirez un grand coup si c'est compliqué. Ça va oxygéner votre cerveau. Premier point, de suivre Jésus et de la croix du chrétien. La folie de l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à renoncer au conformisme du monde. Vous savez, l'une des premières œuvres d'art, entre guillemets, qui a été retrouvée sur la crucifixion, c'est au deuxième siècle, sur des maisons dans la contrée où Jésus a été crucifié. Et on a retrouvé ce dessin sur une maison où il y avait Jésus crucifié, il n'avait pas de visage, mais il avait la tête d'un âne, et il y avait des chrétiens en bas qui l'acclamaient comme un sauveur. Les chrétiens des premiers siècles étaient énormément moqués. Enfin, des premiers siècles, en vrai, c'est toujours le cas. Vous savez pourquoi ? Ils étaient moqués par les Juifs et par les Romains. Vous savez pourquoi ? Et c'est pour ça que Paul dira la prédication de la croix est une folie, qui va insister là-dessus. Tout simplement parce que pour les Juifs, vous pourrez regarder dans Galates 3:13 qui confirme Deutéronome 21:23, pour les Juifs, quelqu'un qui mourait sur le bois, en pendaison, en crucifixion, était maudit de Dieu. Mais il fallait ça pour que Jésus accomplisse ce qui avait été annoncé. Donc pour les Juifs, il était impensable que le Messie qui est venu, Jésus qui s'est annoncé comme le Messie, le Sauveur, meure crucifié à la croix. Parce que pour eux, c'était un Sauveur maudit. C'est pour ça qu'ils sont tous tristes après. Et que même pour les disciples, ayant entendu Jésus annoncer ces choses, il y avait un combat en eux et que Jésus va leur apparaître après la résurrection. Donc pour les Juifs, ce n'était pas possible. Pour les Romains, quelqu'un qui était crucifié était quelqu'un qui était maudit par leur Dieu. Donc pour l'ensemble de la population, Jésus n'était pas considéré comme le Sauveur et le Messie qui devait venir. Il était considéré comme quelqu'un maudit des dieux. Et les premiers chrétiens qui avaient foi en lui étaient moqués. Ils étaient considérés comme des fous. On le voit à travers cette œuvre d'art, mais on le voit aussi à travers de plein de philosophes de l'époque qui se moquent des chrétiens. On ne peut pas vivre l'évangile sans paraître fou aux yeux du monde. Si vous voulez concilier l'évangile avec le bon regard du monde sur ce que vous faites, vous allez très vite sortir de l'évangile centré sur Jésus et arriver sur un évangile centré sur moi, les hommes, mes besoins, etc. En tant que chrétien, nous confondons souvent deux choses. Notre raison en regardant l'évangile et la sagesse de Dieu. Le Nouveau Testament et les évangiles ne doivent pas être lus et accueillis au spectre de notre raison et de notre intelligence à nous, mais avec le spectre de connaissance et la sagesse qu'avaient les auteurs de l'Ancien Testament. À savoir, le surnaturel prend source et exemple dans les hommes de foi de l'Ancien Testament qui ont connu des miracles fous. Noé qui construit une arche pour sauver sa famille du déluge. Moïse qui, par la puissance de Dieu, confond la puissance d'un des plus grands empires d'Égypte qu'il y ait eu. Daniel et ses amis qui refusent de renier Dieu et sont gardés vivants dans une fosse aux lions, dans le feu. Et tout ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. C'est sur cette sagesse-là que les auteurs de l'Ancien Testament ont écrit le Nouveau. C'est pas avec la sagesse des philosophes de l'époque, même s'ils avaient de la connaissance, c'est sur cette sagesse-là. Paul dira, c'est pour ça la prédication de la foi est une de la croix est une folie, mais la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Paul parle même de venir non pas avec un discours raisonnable, mais une démonstration de puissance. Si nous ne revenons pas à la croix, si nous voulons raisonner l'évangile, si nous voulons raisonner l'Église et ce qu'elle porte, nous allons tuer ce qui en fait même la puissance et ce qui en est l'essence. La puissance de Dieu et sa manifestation est une folie pour les hommes et pour ce monde, les amis.
Il y a un moment donné, on doit accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il y a des choses qui nous surpassent. Si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous dire que Dieu est le créateur de l'univers ? Si on ne vit pas des choses qui nous dépassent et nous surpassent, comment le monde peut croire que Dieu est le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient ? Ils verront juste ce que d'autres disent ou d'autres annoncent. Et puis on va centrer les regards sur un prédicateur, sur une église. Parce que c'est bien ce qu'ils font, ça paraît bien pour le monde, c'est génial. Je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne des moines, qu'on s'émancipe et qu'on fasse n'importe quoi. Il faut qu'on rende le message de l'évangile accessible, mais sans en tuer ce qui en fait la force et ce qui en est le cœur et l'essence. Quand tu dis à quelqu'un de blesser, d'abuser que la croix est un chemin de guérison, c'est une folie. Quand tu dis à quelqu'un de terrifier que la croix est un chemin de paix, c'est une folie. Mais c'est la sagesse de Dieu. Christ n'a pas amené une spiritualité raisonnée et raisonnable. Mais il a renversé tous les raisonnements de l'époque romain et juif, mourant à la croix. Aucun raisonnement humain ne peut pousser quelqu'un à sacrifier son fils et un fils à se sacrifier pour les pires péchés humains du monde. Aucun raisonnement. Je prends le temps de lire ça, ça me semble important qu'on entende ça. John Scott, qui est un théologien qui a écrit un livre sur la croix de Jésus, a dit ceci. L'attitude hostile des incroyants envers nous est une réalité. La croix, avec son offre de salut gratuit et immérité, reste une pierre d'achoppement. L'amour et la pureté de Jésus mettent toujours en lumière l'égoïsme et la laideur des hommes. Le grand commandement d'aimer Dieu et son prochain ne laisse toujours aucune place à l'amour de soi. Et l'invitation à se charger de sa croix laisse toujours planer une menace sur l'homme plus porté à rechercher ses aises. Le deuxième point sur trois, renoncer à l'égoïsme, servir Dieu et les autres. C'est ça, porter sa croix. Jésus, quittant son trône, s'abaisse à la condition la plus humble. L'humilité n'est pas seulement une considération de notre prochain comme plus grand. Vous savez, des fois, on est là, il faut que je sois humble, il faut que je sois humble, il faut que je sois humble. Seigneur, l'autre, il est plus grand que moi, il est plus grand que moi, il est plus grand que moi, il est meilleur, il est meilleur. Super, tu veux que ton humilité grandisse ? Sers les autres comme Jésus l'a fait et livre ta vie pour eux. Jésus va dire, vous savez ce qui se passe dans les nations, les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font poser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus dira, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Vous savez, aujourd'hui, la tendance, c'est d'être des consommateurs, même dans l'Église. Le diable, dans certains pays, il a trouvé la stratégie. Ici, il l'a trouvé aussi. On devient des consommateurs de tout. Et on nous pousse à consommer. Il y a des choses super, on parlait de ça l'autre fois, il y a des amis qui ont changé de voiture, qui ont fait une location, on a la liberté de changer souvent de voiture, tout ça, et du coup ça nous permet au lieu des achats de faire des locations, on peut louer nos téléphones, on peut regarder Netflix avec des abonnements, on peut faire des abonnements de tout, même pour nos repas maintenant, on paye un abonnement et c'est livré chez nous tous les jours. C'est super en fait. C'est super, mais il ne faut pas que ça conditionne notre mentalité à devenir des consommateurs, même dans l'église. Le diable a très bien compris. Nous voulons qu'on fasse pour nous d'abord. Si on fait pour moi, si l'église fait un truc pour moi, alors peut-être je vais envisager aller servir au club des enfants. Si l'église fait un truc pour moi et que l'église m'apporte un truc, peut-être je vais envisager faire le ménage ou faire plein d'autres choses, l'accueil ou alors aller à la garderie ou alors aller faire extrême pour évangéliser. Ça nous met tellement dans le confort qu'on a du mal à donner en retour. Jésus nous apprend ceci au travers de faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Jésus nous apprend que si nous voulons parfaitement apprécier ce que nous recevons, nous devons apprendre d'abord à donner. Si nous apprenons pas d'abord à donner, on sera jamais capable d'accueillir parfaitement ce qu'on va nous donner. Et ça commence dans nos familles, les amis. Ça commence dans nos couples. Ça commence entre parents-enfants, entre mari et femme, entre enfants et enfants dans la famille. Si tu attends de ton conjoint qu'il te donne quelque chose pour lui donner quelque chose, on te donne quelques mois.
Ça ne marche pas comme ça. L'amour que nous portons et qui est celui de Jésus se donne en sacrifice et se livre sans condition et de façon imméritée. Et peut-être tu traverses des difficultés dans ta famille, avec ton couple, avec tes enfants. Commence à les servir, eux. Ils ne méritent rien, serre-les, pardonne. Je préparais ce message et on vient de repeindre un mur chez nous. Et je rentre. Et ce mur a été long parce que... Patrice est venu m'aider parce que j'étais vraiment mauvais. Et on a rendu une partie du mur, j'ai rendu tout le reste, j'ai poncé, j'ai repeint pour avoir un mur nickel. Donc 2 semaines de travail, et là je rentre. Et il y a quoi dans le mur ? Un trou ! Et moi je vois ça, je fais « Hey, c'est quoi ce délire ? Mais vous êtes sérieux là ? Ça fait j'ai bossé pendant 2 semaines comme un fou et vous me faites un trou comme ça dans le mur ?» Et là, je pars en colère, pas bien. Je vais faire un tour. Puis là, il y a Jésus qui me rappelle ce message. Et je me dis, ah ouais, j'ai foiré sur ma réaction, là. Ça arrive, c'est ça. Mais je voyais bien devant moi, alors, comment il a réagi ? Bah, 0, 1, 2. J'ai vu une moyenne pas terrible, je me suis dit, bon. Je suis revenu et j'ai dit, ok, il faut que je serve ma famille et mes enfants, je pardonne et je m'en fous de qui a fait ça. Pour autant, en leur disant, prenons soin de ce qu'on a les enfants, c'est important. Parce que le but, c'est pas qu'ils me saccagent le reste des murs. On en a eu un qui a fait ça une fois, il est parti du salon, il a monté comme ça avec un feutre jusque dans sa chambre par l'escalier. C'était merveilleux. J'essaye juste de nous détendre après ce message qui est, même s'il est dur, mais il est important. J'ai compris en vivant ça et dans cette réaction qu'il y a une chose qui est importante dans l'amour que Jésus a porté pour nous et que nous sommes appelés à porter. C'est attends pas que les autres aient fait quelque chose pour toi pour le faire pour eux. Fais-le pour eux, sers, aime et n'attends rien en retour. Et tu verras que quand on te donnera, tu apprécieras parfaitement ce qu'on te donnera. Parce que tu es un serviteur humble. Et t'en feras pas tout un truc. Ça viendra pas dans ta vie comme « Ah, oh, on m'a fait cet honneur, on m'a donné tel truc. Je dois être quelqu'un d'important. Oh là là. » Non. Tu te rappelleras juste que t'es un serviteur humble qui est au service des autres, qu'on t'a fait une grâce, mais que toi tu fais grâce sur grâce sur grâce sur grâce et tu pardonnes. Je me suis un peu égaré. Le troisième point. Renoncer à la haine et pardonner. Et c'est le dernier point. Je ne peux pas dire le plus important parce qu'ils sont tous importants. Mais celui-là, il est difficile. Tout à l'heure, on l'a entendu, nos paroles ont un pouvoir. Si chaque parole de Jésus était accompagnée d'une grande souffrance, celle des brigands aussi. Vous y avez pensé à ça ? Si chaque parole de Jésus à la croix est d'une souffrance inouïe, les brigands, ils vivent la même souffrance que Jésus. Donc à chaque fois qu'ils parlent, c'est la même souffrance. Pourtant, l'un va bien choisir ce qu'il avait à dire et l'autre non. Vous savez, ils sont dans un temps de souffrance, le temps leur est compté. Quand tu es dans cette situation, tu es censé faire attention à ce que tu vas dire. Nous vivons cette réalité. La terre vit une forme de souffrance comme une grossesse en attendant le retour de Jésus. C'est ce que Paul dira aux Romains. Apprenons à bien choisir nos paroles dans ces temps de souffrance sur terre. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ouf ! Par leurs paroles, un brigand fut sauvé pour l'éternité, l'autre fut condamné pour l'éternité. Vous imaginez ? À cause d'une parole. L'un s'est moqué de Jésus, il fut perdu pour l'éternité. L'autre l'a reconnu comme sauveur, il fut sauvé pour l'éternité. À cause d'une parole. Nous sommes redevables dans le pardon les uns envers les autres. Et on va passer rapidement sur cette dimension du pardon. C'est Adam Wilmer, qui est un théologien, qui a parlé de la politique du pardon. Il dit ceci, le pardon est quelque chose de dynamique. Souvent dans nos vies, la question du pardon est devenue quelque chose de statique et une fatalité. Non! Avec Jésus, le pardon est quelque chose de dynamique, dans un rebondissement. Jésus voit
les Romains se partageaient ses vêtements et ils disent « Seigneur, pardonne-leur ». Il voit le premier brigand qui est en train de souffrir, lui dire « Toi, tu étais vraiment le Fils de Dieu ». Il va dire « Pardonne-lui ». Jésus est dans cette dynamique du pardon. Quand ses disciples l'interrogent et on doit pardonner combien de fois ? Il va dire 7 fois, 77 fois. En fait, pardonne parfaitement toute ta vie et arrête de poser la question. Il n'y a pas la question est-ce que je dois pardonner à un tel ou pas ? Non ! Jésus l'a fait à la croix, tu dois pardonner. Le pardon produit un changement radical. Il refuse le fatalisme qui fige les situations. Est-ce que le groupe de louange peut revenir, s'il vous plaît ? Il reconnaît la réalité du mal, de l'erreur et de l'injustice. C'est un fait. Mais le pardon s'efforce d'adopter face à l'erreur une attitude, écoutez bien, le pardon s'efforce d'adopter face à l'erreur une attitude génératrice de solutions nouvelles. Le pardon n'est pas quelque chose qui rend les choses statiques, mais il propose des solutions. Le pardon ne s'approche pas de l'erreur pour proposer la paix à n'importe quel prix, ni pour détruire d'ailleurs, mais il s'approche avec la volonté de reconstruire le futur à la lumière de l'erreur. Avec une créativité inspirée par le Saint-Esprit. Et souvent, et je termine avec ça, on a un problème avec le pardon et pardonner. Restez avec moi. Vous savez pourquoi ? Parce que nous confondons la force de pardonner et la volonté de pardonner. Ce sont deux choses différentes. Je ne peux pas vouloir pardonner, je peux vouloir pardonner, mais ne pas en avoir encore la force. Je peux avoir la force de pardonner, mais ne pas vouloir le faire. Ne demande pas à Dieu si tu dois pardonner un tel ou un tel. La réponse est déjà donnée à la croix, mais demande la force de pardonner. Ne demande pas à Dieu si tu dois aimer un tel ou telle personne, peu importe sa vie. La réponse est déjà donnée à la croix. Mais demande-lui la force d'aimer, que ce soit des gens proches, des gens avec certaines idéologies, même des gens ennemis de la foi. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai dû passer par une période où j'ai dû relâcher et vivre le pardon. Et je me souviens être dans cette pièce et prier avec deux autres personnes et dire « je ne peux pas pardonner, j'aimerais bien ». Je n'étais pas en train de confondre le vouloir et la force. Je disais, je veux bien pardonner, mais je n'ai pas la force. Et je me souviens avoir prié et dire, Saint-Esprit, je n'ai pas la force de pardonner. Je veux bien, mais je n'ai pas la force. Alors donne-moi la force. Et je renonce à tout. Je renonce à tous mes droits par rapport à l'offense, à tout ça. Mais donne-moi la force de pardonner. Mes amis, c'est ça, la dynamique du pardon. Le changement radical que doit produire le pardon. Il est génératrice de solutions nouvelles. Et cette génération, c'est ce qui génère des solutions nouvelles, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Jésus a tout accompli, il est mort à la croix, il est ressuscité. Mais nous laissons le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans une vie nouvelle avec lui. Peut-être tu restes avec des offenses dans ta vie, te disant qu'elles ne pourront jamais être pardonnées. Tu dis, moi ça, jamais je pourrais pardonner, c'est trop atroce. Le non-pardon te garde captif d'un souvenir douloureux. Il t'entraîne dans des fausses croyances à propos des autres et met des peurs dans ta vie de tous les jours. Il rattache la colère à certains comportements que tu vois et il te rend captif de ceci. Mais en Jésus, il y a une solution pour ta vie. Va à la croix. Demande à Jésus la force de faire ce miracle dans ton cœur et il le fera. Ne regarde pas la possibilité de pardonner avec ton point de vue, mais avec celle de Jésus. Demande celui qui a dû pardonner l'humanité tout entière en souffrant atrocement à sa place. S'il a fait ça, il peut t'aider à pardonner. Tu peux lire des livres sur le pardon, il n'y a aucun problème. Mais ils ne vont pas te donner la force de pardonner. La force de pardonner, elle vient quand tu commences à fléchir le genou, à t'humilier et à dire « Jésus, j'ai besoin que ton esprit vienne me donner la force de pardonner. Ton esprit vienne me donner la force d'aimer. » C'est ça, porter sa croix en tant que chrétien. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Jésus nous donne une espérance nouvelle. Celle de vaincre et de surmonter ces choses par le Saint-Esprit, parce qu'il a triomphé d'elle. Vous savez, la croix, c'est vraiment le QG. Là,
d'où partent les directions applicables pour toute notre vie. Elle nous invite à imprégner et teinter toutes nos vies dans toutes ces sphères. Il n'y a pas une sphère de nos vies que la croix ne veut épargner. La croix veut tout teinter dans notre vie. Elle veut tout transformer. Elle veut tout influencer. Mais ça dépend de notre capacité à revenir à la croix, à s'humilier. Peut-être aujourd'hui tu vis sans Jésus. Laisse-moi te dire qu'il y a une meilleure vie que celle du monde. Elle n'est pas facile, mais elle est accompagnée des fruits que produit le Saint-Esprit. Avec un fardeau doux et léger. La croix ne va pas regarder à ce que tu as fait. La croix ne regarde pas d'où tu viens et ce que tu fais. Elle s'offre à toi telle une grâce imméritée. Si seulement tu crois, elle regarde au-delà de tes apparences, elle regarde à ton cœur. Elle t'accueille tel que tu es et la puissance de l'amour qui s'en dégage va t'attirer à Christ afin que tu sois transformé en la même image que lui de gloire en gloire. Si ce matin, tu n'as pas accepté, est-ce qu'on peut fermer les yeux? Si ce matin, tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, cette grâce s'offre à toi. Ne tarde pas, de quoi va être fait demain? Peut-être demain, tu ne seras plus de cette terre. C'est violent, mais ça peut être la réalité. Tu peux te dire, je remets ça à plus tard. Peut-être tu as toujours adhéré à l'Église et à Jésus, pas à cause de ta famille, mais que tu n'as pas vraiment soumis ta vie à Jésus-Christ et que tu n'as pas réellement donné ta vie. Peut-être tu t'es égaré. Mon ami, il y a une urgence. Il y a une urgence à revenir maintenant là. Arrête de croire que tes forces suffisent. Tu as des chaînes dans ta vie, bien particulières. Des chaînes d'alcool, des chaînes avec la cigarette, des chaînes avec la drogue. Jésus te dit, tu ne mérites rien. N'attends pas d'être bon et de t'être délié de tout ça, d'essayer par tes propres forces pour revenir à moi. Reviens à Jésus. Jésus n'a aucun problème avec ça. Dieu n'a aucun problème avec ça. Il te voit à travers Jésus. Peut-être tu dis, jamais je ne pourrai être pardonné pour ce que j'ai fait. Tu as des choses secrètes dans ton cœur que tu as fait. Peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus ou pas. Il y a des choses secrètes dans ton cœur. Toi seul, tu les connais. Et tu dis, si on apprend ça, quel regard on va porter sur moi? Non, non. Jamais ici, on ne se permettra de porter un mauvais regard sur toi. Et on t'accompagnera. Parce que Jésus lui-même te regarde à travers son amour, à travers le pardon, à travers la grâce qu'il a obtenue pour nous à la croix. Et il dit, je t'aime. Ça ne dépend pas des choses cachées que tu as faites, là, dont personne n'est au courant. Dans le secret, quand tu étais au collège, quand tu étais au lycée. Non. Jésus s'approche de toi et il dit, je t'aime. Je sais tout ça, je l'ai vu. Je t'aime. Je t'aime d'un amour immérité. Peut-être tu as des liens et des malédictions dans ta vie. On en parlait il y a quelques semaines. Peut-être il y a des choses dans ta vie qui sont encore liées. Jésus s'est fait malédiction à la croix. Il sait par quoi tu passes car il y est passé, mais il les a vaincus pour que tu fasses de même. Seigneur, nous prions maintenant. S'il y a des chaînes dans ta vie, s'il y a des schémas qui viennent se répéter, comme de père en mère, de père en enfant, de mère en enfant, s'il y a des choses qui se répètent dans ta vie, alors commence à prier, à lever les mains et à accueillir la grâce de Dieu. Et nous déclarons avec toi maintenant que les chaînes sont brisées. Toute malédiction dans ces lieux liée à l'occultisme, même si dans tes parents, dans tes générations, tes grands-parents, on a touché à l'occultisme, maintenant nous brisons toute forme de malédiction liée à l'occultisme dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Nous voulons être une église qui est libre. Nous voulons être des chrétiens qui marchent dans la liberté de Christ. Nous disons à toute forme d'addiction, toute chaîne d'addiction maintenant, c'est terminé dans le nom de Jésus. Toute addiction à l'alcool, toute addiction à la pornographie, toute addiction à la drogue maintenant, nous disons ces choses, c'est terminé maintenant. Satan est vaincu, mon ami. Satan est vaincu, mon ami. Jésus a tout accompli à la croix. Il a marché sur les ténèbres. Il a pris la mort. Il l'a regardé droit dans les yeux et il l'a remise à sa place, marchant sur elle. Reçois la liberté maintenant. Reçois la liberté de Jésus. Si tu n'arrives pas à pardonner ou que tu ne veux pas pardonner, tu es toi-même esclave de cette offense.
Jésus a pardonné le pire maintenant. Si tu te sens concerné par ça, qu'il y a encore des personnes à qui tu dois pardonner, dans ton travail, dans ta famille, des gens qui t'ont blessé, des gens qui t'ont abusé, qui t'ont offensé, maintenant nous déclarons au nom de Jésus la force du Saint-Esprit dans ta vie. Viens t'aider à pardonner. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Maintenant commence à dire: Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Saint-Esprit, je ne suis pas capable de pardonner, je ne suis pas capable d'aimer, mais toi Saint-Esprit, aide-moi à aimer, aide-moi à pardonner. Commence à prier, ouvre ta bouche, sois prophétique, nous l'avons entendu tout à l'heure. Ouvre ta bouche, proclame de ta bouche. Lorsque tu commences à mettre les choses à la lumière, tu permets à Dieu de venir combattre pour toi. Les ténèbres n'ont plus d'emprise lorsque tu dis les choses et que tu les confesses. L'ennemi n'a plus d'emprise sur elles. Peut-être tu dis: je suis un mauvais père pour mes enfants. Ils mériteraient quelqu'un comme Jésus. Et tu es désespéré. Reprends ta croix et laisse le Saint-Esprit transformer ta vie. Aucun d'entre nous n'est suffisamment un bon père, une bonne mère, un bon parent. Mais avec Jésus, c'est possible. Reprends ta croix, la croix que tu as laissée, celle avec le fardeau doux et léger. Reprends-la maintenant en tant que papa, en tant que maman. Et tu vas apprendre à demander pardon. Et tu vas apprendre à t'humilier. Tu vas apprendre à devenir un serviteur, une servante au milieu de ta famille. Et tu vas aimer en n'attendant rien en retour et en laissant le Saint-Esprit manifester la vie de Jésus en toi. Ne crois pas, oui, nous sommes tous des parents où c'est compliqué. Nous avons tous des défis en tant que parents. Tu n'es pas plus mauvais père, mauvaise mère que quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de reprendre ta croix et de suivre Jésus et de le laisser t'amener à vivre les fruits du Saint-Esprit dans ta vie. Crois-le maintenant. Tu vas voir des miracles dans ta vie alors que tu n'avais plus envie de passer de temps avec tes enfants. Tu vas voir le Saint-Esprit produire le vouloir et le faire en toi. Tu vas rentrer, tu vas dire: hey, j'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de passer du temps avec eux. Alors que tu étais là dans ta famille avec ton épouse ou ton époux, tu disais: j'ai plus envie d'aider, j'ai plus envie de faire les tâches de la maison, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit parce qu'on me donne rien. Tu vas commencer à avoir à nouveau envie de servir et tu vas le faire avec excellence. Nous prophétisons là où la mort a pris place dans les familles. Nous déclarons la vie maintenant. L'Esprit de Dieu souffle des quatre vents. L'Esprit de Dieu souffle des quatre vents maintenant. Il ramène la vie là où il y a la mort dans nos familles. Esprit de Dieu, commençons à prier. Elles vont la voir. Réclamons: Esprit de Dieu, souffle des quatre vents dans ma vie. Là où il y a la mort, souffle l'Esprit de Dieu. Réclame-lui la grâce de pardonner. Esprit de Dieu, il était avec moi dans le feu. Déclarons: il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, me briser les fondements, un tombeau qui est bien vide. Église, déclarons encore: il était avec moi. Il est avec moi dans le feu. L'âme est grondée. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et ce qu'il m'arrive un jour d'oublier, la puissance de sa grâce. Il y a un tombeau qui est bien vide. Et c'est ce puissance qui est en moi. Je vois la lumière. Hey!
Il n'y a personne comme le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Allez, déclarons. Hey. Lui qui était et qui est sera à jamais. Nous reconnaissons, il n'y a aucun autre nom comme Jésus. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Église, déclarons, il n'y a aucun autre nom comme lui. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Que la foi grandisse dans nos vies, dans ce lieu, il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Celui qui est. Déclarons qu'à tous ceux qui, mon ami, la liberté te revient, de vouloir ou pas. La question de Jésus n'est pas est-ce que tu as la force, mais c'est est-ce que tu veux. Jésus te repose la question ce matin. Veux-tu me suivre? Alors prends ta croix et suis-moi. Ne te demande pas si tu auras la force. Moi je ne l'ai pas, nous ne l'avons pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça dans nos vies. Maintenant, nous prions. Si tu acceptes de suivre Jésus, lève tes mains là où tu es. Et nous prions maintenant que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Reçois maintenant l'Esprit de Dieu. Reçois cette force nouvelle en toi. Cette force qui te donne une vie nouvelle. Cette force qui te permet de pardonner. C'est ce à qui tu ne voulais pas pardonner. Cette force qui te donne d'aimer celle que tu ne pouvais pas aimer maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Et attends-toi à des changements dans ta vie, à une volonté nouvelle. Oh, venez adorons. Oh, venez adorons. Oh, venez adorons. Jésus. La gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Jésus, notre roi. Notre roi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Encore acclamer le Seigneur de toutes nos forces. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est notre héros. Jésus est notre héros. Amen. C'est notre héros. C'est Jésus et Jésus seul. Amen. Amen. C'est possible. Avec Christ, c'est possible. Amen. Qu'on reparte d'ici, quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est venu. Croyons qu'avec Christ, c'est possible. C'est le message qu'on a entendu. C'est possible. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Amen.
Donc, repars encouragé. Même si, voilà, la croix, ce n'est pas simple, mais repars encouragé parce que c'est possible. Avec Christ, tout est possible. Soyez bénis. Mardi, on se retrouve. C'est un temps de louange, de prière. On vous invite à être nombreux. Ça ne se joue pas que le dimanche. Rappelez-vous, même le mardi, Jésus est là. Et c'est le même Dieu qui est là le mardi. Amen. Donc, si vous pouvez, n'hésitez surtout pas. Ça doit être une priorité, la présence de Dieu. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Toi aussi.